Invitée dans l'émission Face à Baba ce mardi 31 janvier, la chanteuse Stonecest confiait sur sa maigre retraite d'un peu plus de 1000 euros par mois face à Cyril Hanouna et Olivier Véran. C'est une émission qui était attendue par la plupart des Français. Ce mardi 31 janvier, Cyril Hanouna a diffusé en direct son émission Face à Baba avec Olivier Véran comme invité. Le porte-parole du gouvernement a été convié pour répondre aux Français qui s'inquiètent de la potentielle mise en place de la réforme des retraites. Un sujet politique sensible qui a valu de nombreuses manifestations à travers la France. Dans le public du programme diffusé par C8 apparaissent plusieurs Français concernés par cette réforme, toutes catégories d'âge confondues. Parmi ces derniers, on retrouve d'ailleurs la chanteuse Stone, du célèbre duo Stone et Chardin. Je voulais que les Français se rendent compte que vous êtes vraiment comme tous les Français, a déclaré Cyril Hanouna en s'adressant à l'artiste. Il faut dire que, comme de nombreux citoyens présents sur le plateau, la septuagénaire perçoit une maigre retraite. Ma retraite est ridicule face à l'ancien ministre de la Santé, Stone n'a pas caché que sa vie actuelle est bien différente que celle d'antan. Aujourd'hui, l'artiste perçoit une pension mensuelle d'un peu plus de 1000 euros. Vous avez pu mettre de l'argent de côté? Lui demande Cyril Hanouna. Oui, il fut un temps. Mais si est vite parti, a répondu l'artiste. Aujourd'hui, je suis marié, nous sommes deux, et puis nous avons la chance d'être propriétaires d'un appartement à Paris, ce qui est quand même très important, ainsi que d'une maison de famille. Nous ne nous plaignons pas. Il y a pire que nous, a-t-elle ajouté. Néanmoins, Cyril Hanouna a tenu à compléter son discours, « Vous vouliez parler au nom des Français parce que vous avez dit ma retraite est ridicule, et qu'il ne vous reste pas grand-chose. » Oui, si est-il vrai, a réagi Stone. Malgré tout, elle n'a pas souhaité échanger avec Olivier Véran. Je n'avais aucune question à poser. Je ne venais pas pour ça. Je suis venu parce que si est-il comme ça, vous m'avez invité très gentiment, mais je n'ai absolument aucune question à vous poser, a-t-elle lancé. Si est-il dit.